On pose la première pierre aujourd'hui. On ne va pas dire qu'on est comblé. Attendons la fin des travaux, je crois que c'est mieux. On peut dire que le chemin d'avenir est radieux. Bon, il promet quand même, mais je crois qu'on est, sur le chemin, oui. Vous êtes aux côtés d'un grand bâtisseur. Monsieur le Président, vos impressions? Vous êtes fier du Congo aujourd'hui? Eh bien, je suis très fier du sens des grands travaux, des grandes réalisations et des infrastructures à Sassou. Si j'étais un grand constructeur à un moment, je crois qu'il est en train de me dépasser. Et je ne peux que m'en réjouir. Et un message à l'endroit de tous ces Africains qui rêvent d'une Afrique prospère? Je dirais que les choses se passent bien. On a été un peu lent après l'indépendance. Mais on a corrigé un peu les erreurs et les lenteurs. Et je crois qu'avec le forum de Brazzaville sur les infrastructures, l'Afrique a compris enfin qu'un pays, c'est comme n'importe quel bâtiment, il faut commencer par les fondations. Et des fondations qu'on ne refait pas tous les 10 ans, tous les 15 ans, mais qu'on fait pour toujours. Merci, Monsieur le Président. Et il faut féliciter donc le président de cette initiative.